Chez la bande à gogo, il y a toujours du fun. Il y a des pâtes de crème et même du gros Big Mac. Je me suis fait des amis et même des ennemis. Des bons moments, mauvais moments, y'en a toujours eu. J'adore de tripoter les fesses de tout le monde. On va péter la baraque. J'ai la bande à gogo. O'clock midnight. Alerte! Alerte! Il y a un braquage de banque! Mais putain, mais pourquoi personne intervient? C'est pas parce qu'il fait minuit que veut qu'il y a aucun police à l'horizon! Putain! Oh, 1 PM. Hey, les copains! J'ai trouvé le programme de ce soir! Le programme de ce soir! Et devinez qu'est-ce qu'on va regarder? Arthur et les Minimoys, parce que la princesse a de belles fesses! Oh non, non! Moi, j'envisage plutôt Bombe l'éponge avec les pâtés de crabe! Moi, j'envisage de regarder un certain film sous le nom de... de Ghostbusters. Un film classique, ça ferait vraiment du bien. Non, moi, je préfère regarder du pur Demon Slayer, parce que des Zuko, elle est trop canon. Eh ben moi, j'aimerais bien regarder One Piece, mais la version animée. Parce que tu n'aimes plus la version live action? Si, si, mais l'animé était vraiment cool, hein. Eh ben devinez quoi? J'ai trouvé du meilleur classique. On va regarder... Popeye. Hein? Sérieusement, Popeye? Mais pourquoi pas? Je sais pas, ça va être des Sphinx. Bah, je trouve que Popeye, c'est bien, hein. Eh ben, ça dépend s'il y a des hamburgers, hein. Parce que si c'est pas le cas, ça m'intéresse absolument pas, hein. Bah, moi, je préfère Mr. Bean, parce que Mr. Bean a de belles fesses. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Je m'en bats les couilles! Je suis très content d'apprendre que tu adores ça. Oh, la cuisine, ça a l'air très intéressant, hein? Moi, ouais, ça peut être sympa, honnêtement. Oh, mais Popeye Classic, c'est un véritable monument, hein? Moi, je suis quand même content qu'il y ait quand même ce genre de programme. C'est cool de penser ça. Bah non! Moi je veux de l'animé! Je veux des boobs, moi! Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ressembles à peu près à... Quoi? Non, rien, rien. Ouh, je te jure, mais... Ah! Tiens! Ça c'est toi, Patrick! Bah pourquoi? C'est pas une étoile de mer! Non, mais parce que lui c'est un glouton, il pense qu'un burger! Oh, mais c'est pas des pâtes crabes. Laisse tomber. Oh, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Bon, je me demande qui ça peut être. C'est pas la peine, parce que... Officier O... Je suis intervenu. Oh, t'aurais pu au moins toquer la porte. Je suis un policier. Et je suis venu ici pour quelque chose de très important. C'est quoi? Un pâté de crabe? Est-ce que ça doit être un certain Morty? Oui, exactement. Morty a braqué une banque hier soir. Quoi? Morty, pourquoi t'as fait ça? C'est vrai, t'aurais pu au moins toucher les fesses des gardiens, hein? C'est vrai que c'est vraiment bizarre. Morty, toi, braqué une banque? Mais c'est même pas vrai. Je braque jamais une banque, moi. La seule fois où j'ai braqué, c'est braquer les pâtisseries. Mon gars, tu n'as aucune excuse. On sait tous très bien que tu es un attardé. Le plus stupide de tous les temps. Non, pas vrai! Si, c'est vrai. Et c'est pour cela d'ailleurs que on a trouvé un certain image de ce concernant le braquage, de ce qui s'est passé, hein. Et on a vu presque toutes. Mais on sait très bien que tu es le responsable de tout ça, hein. Aussi stupide soit-il, tu n'as même fait une ta propre lettre. Hein? Il a marqué que je suis Morty, je suis le plus gros attardé de tous les temps, et que tu as décidé de voler pour prouver que tu es un véritable malin, hein. N'importe quoi! Et pourtant c'est vrai. D'ailleurs, voici l'image.
Et ça, c'est pas toi peut-être? Ah! Oh! Panté de crabe! Je vois pas. Oh! Alors? Morty, tu as osé braguer une banque! N'importe quoi! Et pourtant, l'image ne se trompe jamais, hein! Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est Morty? Parce que, honnêtement, il ne ressemble pas tellement que ça. Mon très cher Alonski, je peux comprendre que ce soit ton ami, hein. Mais ce crétin-là, il a osé enfreindre la loi le plus important de tous les temps, hein. Mais je suis même pas mon genre à braquer une banque! Dis quelque chose! Prenez la part de défense! Oui, je prends part de défense. Merci, Patrick. Pas de crabe. J'aurais dû m'en douter. Bah, en même temps, c'est vrai que Morty, il en fait souvent des conneries, mais c'est pas... Mais en même temps, d'après l'image, c'est pas Morty. Tu auras beau dire tout ce que tu veux, mais moi, tout ce que je vois, c'est Morty, hein. Et toi, Tokata, tu veux pas essayer de prendre la défense? Parce que toi, tu as voulu me défendre, peut-être, hein? Toi qui n'as même pas... qui n'as rien fait de spécial pour moi? Non, merci, hein. C'est pas faux. Pourquoi est-ce que je voudrais te protéger, franchement, hein? Bon, d'un grain de main! Très bien. Morty, ta prison, tu le seras. Non! Je serai pas une prison! Non! C'est vrai, ça devrait bien ce que tu viens de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu es en prison. Non! Je veux pas être en prison! Pas après ce qui s'est passé il y a 2 heures! Oh! Ta gueule! Et tu es en prison! Voilà! Non! J'en ai rien à foutre de Morty. Sérieusement, c'est un genre de gars que je respecte absolument pas, mais... Vous croyez pas que cette image prouve vraiment que c'est Morty? C'est vrai que ça ressemble pas vraiment à Morty, mais... Pour être tout à fait honnête, je me sens pas très concerné, hein. C'est pas pour être méchant, honnêtement. Si ce serait été vraiment un ami vraiment valeureux, si ce serait été un ami vraiment fidèle, ce serait différent. Mais Morty, laisse tomber, hein. Pareil, je m'en fous royalement de ce mec. Ben moi, c'est quand même lui qui a le meilleur fesse de la bande. C'est lui qui a créé la bande à Gogo. Ben, en même temps, il n'avait qu'à pas chercher la merde. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans le film de la bande à Gogo. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à ce mec si lui ne s'intéresse même pas à nous? Surtout qu'il a quand même le culot de nous insulter, de nous traiter comme de la merde. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de le sauver? Je compatis honnêtement. Bueno, Art, on va essayer de sauver Morty. Oui, parce qu'elle a les meilleures fesses. On va essayer de faire comme dans Bob l'éponge. Ouais. Des fois, je me demande si il connaît Bob l'éponge, mais pourtant, il se souvient même peu de lui. Comment ça se fait qu'ils soient séparés en plus? Ça, je sais pas. Je me disais aussi, hein. Mon très cher Morty, voici ta cellule. Mais cette cellule est beaucoup plus grande que les autres. C'est la cellule pour les attardés. Alors, mon très cher gars, je te souhaite une bonne séjour. Et on n'hésiterait pas à passer visite si jamais tu tentes de t'échapper. Parce que franchement, même un attardé ne serait pas capable de s'échapper, hein. Il n'y a même pas de caméra surveillance. Il n'y a même pas de barrière. C'est parce que même toi, tu ne seras pas capable de t'échapper. C'est niveau échappatoire de cette prison, c'est de niveau 1. Et aucun d'entre eux n'est pu réussir à sortir de là. Enfin bref. Bon prison. Quel bandagrin, je te jure, nous attaque comme ça, alors que je suis Morty, le plus beau mec de tous les temps. Mais je te jure, quoi. Je te jure. Où est-ce que je dois m'échapper maintenant? Je te jure, quoi. Et en plus, ces bandes de grosses merdes, je te jure, c'est une langue de pute. Ils osent me laisser tomber comme une merde. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça quand je trouve, hein? On s'est pas connu quelque part. Mais si! Tu serais pas Morty? Non! Je me rappelle la dernière fois! Tu avais contré mes plans!
Et je suis en prison des attardés, et j'essaie de trouver un moyen de m'échapper, mais évidemment, ce serait vraiment trop facile. Il faudrait que je trouve un moyen de... trouver... De trouver quoi? Dis donc toi, puisque toi tu serais le grand schtroumpf, comment ça se fait que tu n'es pas réussi à sortir? Je ne suis pas un grand schtroumpf, je suis le roi des glaces. Et le problème c'est que normalement, s'échapper du prison devait être de niveau 1. Mais le problème c'est que je sais même pas où est-ce qu'elle se trouve la sortie. Vois-tu mon gars, ça fait déjà presque une journée que j'essaie de trouver une sortie. Et j'ai même pas trouvé, j'ai même pas trouvé la sortie, je te jure quoi. Parce que t'es un attardé? N'importe quoi je te jure hein. Bienvenue à notre prison, mon très cher garçon avec une tête de moche. Je suis pas moche. T'as intérêt à retirer tout ce que je viens de dire, hein. De quoi tu parles? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais en prison, Winnie l'ourson? Pense. Mon cerveau fait la gueule. Il est en prison parce qu'il a braqué une banque de miel. Mais pas vrai, c'est pas mon genre de braquer une banque à miel. Toi qui es obsédé du miel et qui veut même pas braquer une banque à miel. Laisse-moi rire, je te jure quoi. Non, super, on est trois maintenant. Non, on n'est pas trois. On est déjà, honnêtement, sept. Ouais, sept. Et j'aimerais vous présenter certaines personnes qui sont en prison. D'abord, on a Gorgius. C'est qui cet attardé, hein? Il est moche en plus. Non, c'est pas vrai, je suis pas moche. Peu importe. Il est en prison parce que... il a refusé de payer la dette au restaurant. Ensuite, on a Trigone ou Trigon. Tout ça parce que je suis méchant. Voilà. Je te jure, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il est en prison parce qu'il est moche. Voici, Funessir. Oh, salut. Elle est en prison pour avoir fait un tas de cauchemars envers les enfants de la maternelle. Ouais, c'est vraiment hardcore, les enfants, ils ont eu peur, hein. Et ce Funessir, c'est un gros taré, hein. J'ai une fille. Et ensuite, on a le rat. Je ne suis pas le rat. Je suis Tellera, voilà, Tellera de Ratz. Ouais. Peu importe. On est tous en prison et je veux pas pourrir ici. Je veux sortir de là. Je suis le plus bon. J'ai pas intérêt à sortir d'ici, hein. Moi, je sais comment sortir. Ah bon? Mais tu peux aller te permettre, parce qu'honnêtement, j'aime bien cette prison. J'aurais de quoi faire des cauchemars à tout le monde. C'est ça ce qui est pire, honnêtement. Ouais, et j'ai même pas envie à ce que cette connasse s'approche de moi. Ou sinon j'utilise mes points, hein. Mais si tu t'espères, tu peux rien faire, hein. Oh, ta gueule. Oh, c'est pas d'agras, ils osent me faire payer à moi. Alors que je suis un alien. Oh, je te jure, quoi, les aliens, ça peut représenter comme un sort de handicapé, hein. Pas vraiment. Si ça l'est. Peu importe, puisque tu es en prison, explique-moi comment ça se fait que tu sois en prison. Ils croient sincèrement que j'ai braqué une banque. C'est impossible. Toi, braquer une banque? Ouais, mais c'est même pas vrai. Je te crois. Ah bon? Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment ton genre de braquer une banque. Vu que tu es vraiment le plus stupide. Allez tous vous faire foutre. De toute façon, je vais essayer de trouver un moyen de m'échapper de cette prison, hein. Vous allez voir tel point je suis tellement fort. Aïe. Attardé. Patrick, qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus. Escalader, c'est vraiment trop dur. Il faut trouver un moyen de sauver Marty. Oh non! Il y a le garde là. Et l'entrée se trouve là-bas. Nous devons trouver un moyen d'y entrer. Oh bah oui! Moi je sais comment. Ah ouais? En utilisant le camouflage. Ah bon? Le camouflage. Comme ça. Ben, est-ce que ça marche? J'essaie de voir 30 km de loin s'il n'y a pas le moindre magouille. Tu vois ta mère? Oh, t'es un génie!
Ok, Morty. Rappelle-toi de ce que j'ai appris. Le charisme. Montre, cher gars. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, espèce de... Oh, le meuble, je commence à devenir claustrophobe. C'est ça ta méthode de sortir de cette prison? Tu me fais vraiment la peine, hein? Oh, toi, non, fais pas de remarques, mon gars! Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Je lui donne un note de 0 sur 10 au terme d'intelligence. Pareil. Arrêtons de faire maître! Sincèrement, il se croit sincèrement d'être le plus intelligent et pourtant il n'a même pas été foutu de trouver un moyen de trouver une sortie le plus efficace. Eh ben oui, moi je suis capable de trouver une sortie. Ah ouais, en faisant comment? En utilisant une bombe? Mais j'ai pas de bombe. Sans commentaire. Et on est où maintenant? Je ne sais pas. Et toi, tu sais où est-ce qu'on est? Non. Oh, ça sent vraiment bon, tu trouves pas? Ah oui, ça sent vraiment bon. Oh! On est dans une cellule. Hé, hey, c'est Morty! Notre meilleur ami! Ouais! Morty! Fermez vos gueules! Et d'où est-ce que vous sortez, hein? Vous êtes des nouveaux prisonniers? Ah ben on essaie de sauver Morty. Ouais, sauver Morty. Quoi? Sauver Morty? Et nous on compte comme pour du beurre? Bah ouais. Ouais. Vous savez ce qu'il vous dit, celui qui vous compte comme pour du beurre? Non. Non. Je vais utiliser mes points et mon autre point pour vous. Je vous laisse deviner. Ah! Battez les fesses. Manger un bon pâté de crabe. Pour vous défoncer la gueule. Ah! Je te jure quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans mes nuages. Ce serait pas le monsieur le grand schtroumpf? Je ne suis pas grand schtroumpf! Ah, je te jure quoi? Attends une minute, d'où vous sortez? On essaie de sauver Morty et on a réussi à atteindre prison. Ah bah super! Vous allez quand même nous dire où est-ce que vous avez réussi à rentrer? J'en ai marre! Super, maintenant on s'est retrouvé avec 3 attardés! Ah bah ça tombe bien, je peux en faire un autre cauchemar! J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus, sa mère! Si tu aurais été intelligent, tu saurais comment nous échapper! Et toi, si tu aurais été pas casse-couille, on n'en serait pas là, hein! T'essaies d'assumer que c'est ma faute et on est tous en prison? Bah, je sais que ça va être des conneries ce que je vais dire, mais... Ouais! Baston! Oh, ta gueule, veux-tu? Oh, il m'a frappé! Il commence à me péter les couilles! C'est quoi ça? C'est une foutage de gueule! Une fenêtre ouverte! Et on n'a même pas été foutu de remarquer ça depuis le début! Oh, et puis merde, vous savez quoi? Moi, je me casse! Attends! Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi! J'ai rien compris de ce qui s'est passé, hein! Vaut mieux pas, honnêtement! Et même s'il y aurait une fenêtre ouverte, je préfère honnêtement rester pour faire un tas de cauchemars! Oh yeah! Et attends quoi? Putain, lâche-moi! Vous me cassez les couilles! Laissez-moi tranquille! Bon, me revoilà de retour! Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais peut-être vérifier dans la cellule, tiens. C'est vraiment dommage! Ça aurait été sympa qu'il reste avec moi. Oh, laisse-moi deviner, pour qu'il puisse te donner du pot de miel? Ouais. Eh ben t'es vraiment qu'un gros con. Ouh. Je te jure. J'adore ta façon de frapper Winnie l'ourson. Parce qu'il n'avait qu'à pas être saoulant, hein. Et moi j'existe quand même. Non, t'existes pas. Mais
tout se passe exactement comme prévu. Il me reste plus qu'à chercher Morty pour que je puisse établir un plan parfait. Bien, mes très chers compagnons, est-ce que l'un d'entre vous savent où est-ce qu'il est Morty? C'est qui Morty? Morty? Ce serait pas celui qui vient de s'évader? Attends, quoi? Hey, salut! Je suis un rat et je m'appelle... Oh, tais-toi, hein! Mais... Oh, tais-toi, hein! Dis-moi, et toi, tu es un nouveau prisonnier? Non. Tu ressembles un peu à Morty. N'importe... Oh oui, j'essaie de faire passer pour Morty, mais... Oh merde, j'aurais peut-être pas dû dire. Et puis non, ils sont tous des attardés. Je suis pas un attardé, moi. Ah, pourtant, tu en as l'air, hein. Ah, est-ce que je peux faire un cauchemar à toi? Dégage, espèce de grosse merde! Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il est mort? Attends une minute, t'avais bien dit qu'il vient de s'évader? Ouais. Quoi? Il est où le roi des glaces? Dis-moi, monsieur Morty, c'est toi qui les as évadés? Quoi? Mais je suis pas Morty! Je suis Caillou! Oui, c'est Morty. Hé! Hey, je t'emmerde! Ouais, t'es le grand Morty. Hé! Hey, ah, mais qu'est-ce que tu... On va te mettre dans une cellule bien plus sécurisée. Comment ça, bien plus sécurisée? Puisque toi, tu as aidé au roi des glaces à s'échapper de prison, tu iras dans une prison bien plus sécurisée. Non! Non! Bonne chance, Morty, pour t'évader de prison. Je t'emmerde, connard de Winnie Ourson! On a réussi à s'échapper de prison. Enfin, moi, j'ai réussi à s'échapper de prison, hein. Ouais, parce que t'étais un prisonnier. Alors, est-ce que vous êtes content de me revoir? Bof, bof, bof. Il était quand même sympa, hein. Bof, bof, bof. Il a de meilleures fesses. Bof, bof, bof. Non, je vous emmerde, je te jure, quoi. Ouais, en tout cas, on sera tranquille pendant longtemps, hein. Ouais, c'est ça, pendant longtemps. Je te jure, quoi, c'est un véritable calvaire. Si jamais je croise quelqu'un qui a osé me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je vous assure, je vais lutter, je lui mettrai la pâtée de sa vie. Bof, 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 enfermez vos gueules, hein. Ça faisait longtemps, Morty. Bof, bof, attends, quoi? Où est-ce que vous voulez en venir, par? Ça faisait longtemps. Pourquoi vous regardez tous comme ça? C'est pas comme si je... Salut, ex-copain.